Un congrès scientifique, c'est une réunion de scientifiques du monde entier qui travaillent sur le même sujet. This meeting is called Carme. That stands for Correspondence Analysis and Related Methods. Alors le congrès Carme, c'est un congrès de taille moyenne, il y a environ 140 participants. The conference has a little bit of a history. We're having it this year in Rennes, but the conference actually started in Germany at the initiative of Professor Walter Christoph. He made the suggestion that we have an international conference in Cologne on correspondence analysis. That was in 1991. That was the first time we did this. And then it went so well, we decided 4 years later to do it again, and we did it in Cologne again, in 95. We did another one in Cologne in 99. And then I took over the responsibility of doing it in Barcelona in 2003. And then we actually used the name Carme, because Carme is a Catalan woman's name. Carme. It's the Catalan version of Carmen. So we had a reason for it. And then Patrick Cronin offered to do it in Rotterdam in 2007. And here we are in Rennes now to do it in 2011. C'est un congrès de taille moyenne. Pourquoi? Parce que c'est focalisé sur une méthode statistique en particulier. Alors qu'il y a des congrès de statistiques beaucoup plus généralistes où il y a vraiment différentes méthodes statistiques qui sont présentées. Et on est assez content parce qu'on a quand même 22 nationalités qui sont représentées. Donc on a même un Australien, un Brésilien, un Canadien, quelqu'un de Californie. Alors le thème de ce congrès, c'est une branche de la statistique qui s'appelle l'analyse des données. Alors l'analyse des données, c'est une façon de voir la statistique qui est née à Rennes il y a une cinquantaine d'années. C'est une méthode qui a été imaginée par une personne qui s'appelle le professeur Benzekri. Et à partir de cette méthode, c'est une nouvelle vision de la statistique qui s'est diffusée. Et cette vision de la statistique, elle est particulièrement adaptée aux vastes ensembles de données numériques, c'est-à-dire par exemple quand on a des milliers de variables à étudier. Mais quand on a des milliers de variables à étudier, eh bien on est bien obligé d'avoir des méthodologies spécifiques. C'est le cas par exemple de la génétique actuellement, qui est un domaine phare de l'agronomie. Most statistical methods concentrate on modeling the data with mathematical models. And the Carme approach, or the correspondence analysis approach, is more of a letting the data speak, letting the data suggest structures in the information, not you to impose a structure on the data and see if the data fits that structure, but let the structure come out naturally. Dans un congrès, il y a différents types d'invités. Il y a des invités qui sont des invited speakers, donc en fait c'est vraiment des têtes d'affiche, comme à un concert, en fait les gens viennent sur leur nom. Donc là c'est vraiment des gens qui sont reconnus nationalement et internationalement. Alors là, en fait, pour le congrès Carme, il y avait un événement un petit peu particulier, c'est qu'on fêtait les 50 ans de l'analyse des correspondances. Et du coup, ces conférenciers ont fait des conférences où ils présentent à la fois des techniques récentes, leur point de vue sur ce qui se fait en ce moment, mais il y a eu aussi tout un aspect historique où ils ont fait un petit peu l'histoire de la méthode, justement pour les 50 ans de la méthode. Qui organise ce congrès? Eh bien, c'est AgroCampus. En deux chiffres, 1500 étudiants, 125 enseignants-chercheurs. Nous sommes un acteur majeur de l'enseignement supérieur en Bretagne. Alors, AgroCampus, le cœur de métier, c'est l'agronomie, l'agroalimentaire au sens large. Alors, au sein d'AgroCampus, il y a une équipe de statistiques, et cette équipe de statistiques, elle comporte des enseignants-chercheurs. Ces enseignants-chercheurs, ils font de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il faut assurer à tous nos étudiants, qu'ils soient des élèves ingénieurs ou des masters, un niveau en statistique qui leur permette ensuite de faire de la biologie, de l'agronomie, de l'agroalimentaire. Au niveau des recherches, eh bien, cette équipe de statistiques, elle est censée imaginer de nouvelles méthodes, de nouvelles méthodologies qui seront ensuite utilisées par les agronomes et les ingénieurs de l'agroalimentaire. À la fin de ce congrès, des personnes ont présenté ce qu'elles ont fait, ça c'est de la communication pour elles tout simplement, et puis les auditeurs, eh bien, ils ont une vision d'ensemble en 2, 3, 4 jours de tout ce qui se fait sur le sujet. Les étudiants de la spécialité statistique appliquée participent activement à ce congrès. Ils y participent sur deux plans. D'abord, ils nous aident dans l'organisation matérielle, mais aussi ils participent au débat scientifique. Ils ont en dernière année un projet, et ce projet, ils le présentent sous la forme d'une affiche. La présentation, c'était un peu rapide pour présenter un poster quand même dans lequel il y a beaucoup de choses. C'était assez amusant de voir tous les posters défiler parce qu'on n'avait que 2 minutes pour présenter et pour donner envie de regarder nos posters. Ouais, du coup, pas mal de stress, quoi.
Un congrès scientifique, en fait, c'est un lieu d'échange entre les chercheurs où ils peuvent discuter, échanger. Donc, ils échangent sur des nouvelles idées, sur leur point de vue, sur les choses, etc. Donc, pour nous, c'est important parce que ça permet d'initier ou de pérenniser des relations de travail. C'est un peu comme les réseaux d'amis. Si vous aimez être invité par des amis, faut les inviter aussi de temps en temps. C'est aussi simple que ça. Mais on fait ça aussi pour la communication. Dès l'instant que vous faites un congrès, automatiquement, vous vous placez au niveau international sur votre sujet. En fait, dans un congrès, il y a aussi beaucoup de temps qu'on appelle des événements sociaux. Alors, les événements sociaux, c'est aussi bien des pauses café que des différentes réceptions. Donc, par exemple, là, hier soir, on a été à une réception à la mairie, donc à l'hôtel de ville. On va aller ce soir à un repas, un dîner, ce qu'on appelle un dîner de gala. Donc, on va dîner tous ensemble avec l'ensemble des participants. I've always liked art and science, to mix it up a little bit, and I do this in many other conferences as well. So, we have some entertainment. We make special songs about the conference or about Carme. And it makes a nice atmosphere. It brings people, make an alternative type of activity, not only to have the talks all the time, but to have some light-hearted it's entertainment as well. Carme time. Correspondence analysis is easy. Planes are fitting, explain inertia is high, your data are rich, and you buy plots good looking. Pour nous, ce n'est pas juste des moments agréables et sympathiques, ça l'est bien sûr, mais ça nous permet vraiment de se rencontrer, de discuter, et c'est comme ça que ça fait avancer les relations de travail, les collaborations, et qu'on avance sur un sujet aussi, on ne travaille pas tout seul. Et c'est un peu évident, mais à plusieurs, on arrive mieux à avancer sur un sujet et à développer de nouvelles méthodologies pour répondre à des problématiques concrètes. Thanks to these conferences, we've published 3 books. Which have been very well reviewed. Three commercial books, but they gathered together 100 authors contributing to these books. And it records the state of the art at that particular time. And we're hoping to do another book based on the Rennes conference, but we still have to discuss that and decide about that. Statistically, but when I reach out to you, you give me another point of view. So Carme, Carme, in you I find a true friend, and this keeps Carme on my mind.